avec dans son coin Denis Kerr, 53 kg 800, 1m71 en amateur. Aurore de Santosa, 33 combats, 30 victoires, 6 KO en pro, 4 combats et 2 victoires. A été championne Afso K1 2016, championne de France 2017, championne d'Allemagne WKU en K1 2017, médaillé d'or au championnat du monde Waco 2018, médaillé d'or au championnat d'Europe Muay Thai 2018, championne de l'infusion, membre de l'équipe de France sous contrat avec le Glory. Quand je vous disais qu'un bijou ne peut rencontrer qu'un autre bijou, preuve en est ce soir avec cette superbe rencontre qui fait couler l'encre jusqu'à Paris. Qui gagnera ce combat entre Lady Killer et Aurore Dos Santos? On va le savoir tout de suite et c'est avant d'offre que ça se passe. Voilà donc les recommandations de notre officiel Mohamed Denasri auprès de nos deux boxeuses. Début de la première reprise. Stoken maken heep, ze hebben helemaal geen power in de stoken. Drukken naar voren, brede stand en harde stand. 1, 2, lopen. Doe maar, Sjoerd. Nee, doe maar direct, links, zo'n brede stand lopen. Yeah, I don't predict that.
Seigneur, Andrew, s'il vous plaît, boxeuse au centre. Seigneur, Andrew, boxeuse au centre. Début de la deuxième reprise. Thank you.
Alors on les encourage, troisième et dernière reprise jusqu'au bout. De devoir nous rejoindre pour la remise des récompenses. Ici sur le côté. Alors, quelle que soit la décision, je vous ai dit, il y a 10 jours rencontre et 10 jours, j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Aurore, à Strasbourg, tu avais perdu, je t'assure que ta défaite, c'était comme si c'était la mienne. Ce soir, je vous demande un maximum de bruit pour la boxeuse Coin Plan Aurore de Saint-Denis. Aurore de Saint-Denis qui remporte ce combat, et pas n'importe quel combat, face à Georgina Walter Linden. Très très beau combat. Et je vais demander à M. Eric Pelsanini de devoir prendre la ceinture. Je vais demander à Propulse Conseil et Rue des Fleurs. Alors monsieur Pelsanini, je vais vous laisser les soins. Voilà donc notre partenaire Propulse Conseil qui remet la coupe. Je vais demander à Rue des Fleurs d'en mettre aussi le bouquet de fleurs à Georgina Van der Linden. Je vais demander à Aurore de Santos de bien vouloir se mettre ici. Et c'est monsieur Eric Pelsanini de la métropole du Grand Nancy qui va remettre la ceinture en proche optique
Il y a des victoires qui sont très belles. Elle a remporté un combat face à une grosse cliente, Georgina Van der Linden. Et de Paris, je peux vous dire que les gens faisaient des pronostics. Et puis les pronostics, moi je suis content. C'est toi, Aurore, qui repart avec cette ceinture. Tu peux féliciter tes hommes de poing parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel du premier jusqu'au dernier rang. Allez, un petit mot, Aurore. Un petit mot pour le public qui est venu. S'il vous plaît, d'ailleurs, le public pour Aurore. Un maximum de bruit pour Aurore. Ben Salvini, métropole du Grand Nancy, vice-président. Allez, un petit mot. Merci à tout le monde. Les derniers temps, ça a été très très dur. On a vécu des moments très durs. Et du coup, cette victoire, ben, c'est pas seulement. Mais c'est une victoire aussi sur moi-même et sur la vie, et c'est ça qui est le plus beau en fait. Et le mental, c'est quelque chose d'incroyable. Merci à tout le monde. J'ai fait mon premier combat après l'année dernière ici, sur cet événement. Et c'est vrai que Gabriel, ça a aussi été un des premiers qui a cru en moi. Toi aussi, Momo, Cédric. Personnes qui me connaissent depuis le début et qui ont toujours cru en moi. Et bien sûr, et ben mon mari qui est mon entraîneur, et c'est très très dur tous les jours. À toute l'équipe, à mon club, au KSJ, c'est une histoire incroyable. Alors je peux que vous pousser à pratiquer ce sport et à continuer à faire vivre ce sport parce que c'est un sport magnifique. C'est remarquable, cette performance que vous avez faite, remarquable face à Georgina Van der Linden. Ça, c'est une victoire qui vaut tous les championnats du monde. Et elle est là, et c'est remporté par Aurore Dos Santos du Kerjim avec monsieur Eric Pensalfini, métropole du Grand Nancy, Propulse Conseil, Rue des Fleurs, partenaire, et Tennis. Alors, Georgina Van der Linden, alors moi j'ai pas de traduction, je sais pas si quelqu'un maîtrise l'anglais. Est-ce que quelqu'un maîtrise l'anglais? Non, on va l'avoir en direct. Est-ce que le docteur maîtrise l'anglais? Allez, venez nous faire un traducteur, venez. Hello. Let's hear I am a car accident. It was really happy. I have physiotherapy all over the year, and I am still not the Georgina that I was before the car accident. But you come back. And I gave Gabriel my work to fight here because I canceled over 3 years. I canceled my fight, so I am here for Gabriel. I fight for Gabriel. Gabriel, thank you that I can be here. I hope that I can recover from my car accident and fight her soon again. But then I am Georgina that I was before the car accident. Woo! Et voilà, Georgina a eu un accident il y a quelques temps. Elle est toujours en phase elle recouvre sa santé. Elle voulait être absolument là pour Gabriel cette année parce que voilà, bah, Gabriel, on le sait, elle le suit depuis de nombreuses années. Et voilà, bah, elle a voulu vraiment être présente malgré la défaite ce jour. Elle est en tout cas très heureuse d'être venue pour Gabriel. Voilà. Écoutez-moi, je voulais qu'on salue cette belle performance déjà l'organisateur Gabriel Lignon ici présent qui nous a fait une opposition de choc. Photo avec le coach monsieur Eric Pensalfini du métropole du Grand Nancy, rue des Fleurs, Propulse Conseil,
Et Olivier Boxman ici pour immortaliser ce combat. Et c'est Aurore Dos Santos du Kirgin pour la France qui remporte cette ceinture en pro-shopping belt avec le partenaire Propulse Conseil Rue des Fleurs.